Shalom Aleichem, on est dans Shulchan Aruch Siman Tav Resh Pe. Dîner à quatre parashiot, les quatre parashiot, parashat Zachor. Les shomrim shigam anashim tzichot lavo lebeleizat nashim b'Shabbat Zachor. Kedei lishma kriyat parashat Zachor. Il y en a qui veulent dire que même les femmes, ils sont obligés de venir l'ezat nashim et d'écouter le Sefer Torah de Parashat Zahor, la Kriya de Parashat Zahor pour se rendre quitte de Mechiyat Amalek. Ori l'Umina Torah en Zman Kavua le Mitzvat Zechirat Mitzvat Amalek. Puisque maintenant il n'y a pas un temps qui est précis pour effacer Amalek. Il faut savoir, ce n'est pas une Mitzvah sur Zman Grama, ça ne dépend pas du temps. Il faut se rappeler de effacer Amalek tout le temps, hein, que Kadosh Baruch Hu, il a dit de le lire dans cette Torah. Le problème, il est quand le dire, il n'y a pas un temps. Puisqu'il n'y a pas un temps, les Chachamim, ils ont institué de dire juste avant pour lui. Pourquoi? Parce que Aman Arasha, lui, c'était la descendante de Amalek. Il venait du roi Agag. Que ça, c'était le roi de Amalek. Alors, on le lit juste avant. Pourri, c'est tout. Mais sinon, il n'y a pas de temps. Et puisqu'il n'y a pas de temps, la femme, elle est obligée d'écouter okay, la parashat Zachor. Il y en a qui veulent dire que non. Puisque, quand Akadosh Baruch Hu, il t'a mentionné, il nous a dit, écoutez, il faut se rappeler de Mechiyat Amalek, c'est rien que pour à venir à l'action. Quelle est l'action? L'action, elle est derrière nous, l'ilachem et Amalek, pour faire la guerre avec Amalek, pour exterminer. C'est la guerre chez la guerre. Oh, et ça, ça s'appelle la guerre. C'est la guerre chez la guerre. Et c'est pas comme aujourd'hui, il y en a des filles aussi dans la mitzvah. Lama. Non, peut-être aujourd'hui ils ont tout changé, parce qu'aujourd'hui il y a des unités c'est qui énorme, elles sont changées. Enfin, que même c'est des femmes à l'armée israélienne. La femme, elle a un rôle dans le monde. Chacun, il a un rôle. Okay? Une femme, elle n'est pas pour faire une guerre. La nature de la femme, c'est pas. Même que on va voir aujourd'hui des femmes qui sont costauds. Mais la nature. Très costaud même. Et Baruch Hashem, ils sont là. Mais la nature d'une femme, elle-même, elle est fragile de dedans. Comme c'est écrit dans la Gemara, Izaru bedimat neshechem. Faites attention aux larmes de votre femme. Okay. Pourquoi? Parce que c'est fréquent chez eux. Parce que c'est fréquent. Fais attention, papa. Ken, de pas trop blesser la maman. Pourquoi? Parce que si elle pleure, Hachem Irahem, c'est grave. Et je vous dis franchement, c'est pas évident. Un homme, des fois, il se pose des questions. Pourquoi ça lui arrive ça? Pourquoi ça lui arrive ça? Et pourquoi il n'a pas gagné ça? Et pourquoi il n'a pas ça? Pourquoi? Parce que peut-être tu blesses ta femme. Peut-être tu as raison, d'accord? Peut-être elle se comporte mal. Peut-être tout ce que tu veux. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est pas la façon. Il y a d'autres choses à faire. Il dit le rab, puisque maintenant la femme, elle doit pas faire la guerre. Venashim lam not milchama. Velachen yisom pturot anashim mikriat umishmiat parashat zachor. C'est pour ça que les femmes, eux, ils sont dispensés de écouter parashat zachor. Ve'av al pi shanashim shemekelot beze yesh lahem al mashim smokh. Ou même qu'il y en a des femmes qu'aujourd'hui ils sont mekelot. Les kélotes, ça veut dire qu'ils ne sont pas rigoureux et qu'ils ne font pas. Ils ne lisent pas la parasha de Zachor, ils ne viennent pas à la bête. Ils ont sur qui s'appuyer. Et comme encore un machmirot, d'avoir les autres nashim, la set, idée, chova, kriat, parasha de Zachor, aliba, de koule, alma, t'avoir l'aim de kato. Il faut savoir que si maintenant une femme vient à la bête à Knesset, elle veut se rendre quitte. Il faut savoir de Shulchan Aruch. Beaucoup d'autres poskim qui disent que même la femme elle est obligée d'écouter Parashat Zachor, eh ben elle aura la bracha. Il nous dit le rab, Vehine,
כן? המצליחים את הנשים לבוא לשמוע פרשת זכור. Qui c'est qui demande aux femmes de venir au Beit HaKnesset pour écouter Parashat Zachor? C'est le grand Rabbi Nathan Adler, le Shut Binyan Tzion Achadashot, Shut Marib Niskin, Metzvat Amelech, Agon Mikutna, Mishot Malko, Agon Mitre Shearim, Sefer Nahal Eshkol, Veagon Mimunkash. Tout cela, ils obligent, ils disent que la femme elle doit venir écouter Parashat Zachor. Mais par contre, il y a le Sefer HaChinuch, Limudei Hashem, Baal Zayit Ra'anan, et d'autres qui veulent dire que la femme est dispensée parce que sauf elle doit pas exculper les enfants. Elle ne doit pas y aller faire la guerre. Et on doit écouter pour faire la guerre. Bezat Hashem, quand le Mashiach va venir, là il va nous dire qui c'est le Amalek. Pour l'instant, on ne sait pas qui c'est Amalek. Même qu'on croit que lui c'est Amalek, vous faites très attention de ne pas dire qu'il est Amalek. Quand la Gemara dit, il y avait un, il a dit, toi t'es Eved. Il disait à tout le monde, toi t'es Eved. Rav, il est venu et il a dit sur Rav que lui, sur Rav Yehuda, excusez-moi, l'élève de Shmuel, que lui c'est Eved. Alors Rav Yehuda, il a dit, toi t'es Eved. Alors maintenant, quand lui il a dit que toi t'es Eved, il a convoqué vers Rav Nachman. Quand il est arrivé, Rav Yehuda vers Rav Nachman, Rav Nachman, qui c'est le gadol de la Dor, il a dit, Rav Yehuda, dis-moi, pourquoi tu l'as appelé Eved à celui-là? Il a dit, Kach mekublani mishmuel. Comme ça, c'est une transmission par mon Rav Shmuel. Mon Rav, il s'appelait Shmuel. Et il a dit, Kol posel, bemumo posel. Tout celui que lui, il est posel, posel, ça veut dire qu'il... Il dit que l'autre il n'est pas bien, ça veut dire que lui il n'est pas bien. Dans cette chose-là, il n'est pas bien. Il faut savoir, c'est la halakha. Halakha dans Eben Ezer, Shulchan Aruch. C'est pas toi qui es Eben, toi qui es tordu, toi tu n'es pas bien. Kadosh Baruch Hu il a fait Hesed avec l'homme. Pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait, il a dit que quand tu vois le défaut chez ton prochain, c'est toi que tu as le prochain. Pourquoi il a fait Kadosh Baruch Hu ça? Il a fait pour que toi, tu te corriges. Parce qu'un homme, il ne peut pas se corriger. Pourquoi il se corrige? Parce qu'il ne sait pas ses défauts. Pourquoi il ne sait pas ses défauts? Le chameau, il ne voit pas sa bosse. Celui-là qui est tordu, il ne voit pas qu'il est tordu. Quelqu'un qui a un défaut, il ne peut pas savoir son défaut. Alors quand le Bokhu, il a fait Hesed avec Am Israël, quand tu vois le défaut, c'est ton prochain, tu dis, waouh, comment il est radin celui-là? Ça veut dire que toi, tu es radin. Et moi là, je donne de l'argent. Non, tu ne donnes pas comme il faut, tu ne donnes pas où il faut. Etc, etc. Tout cela pour que te corriger, pour nous corriger. Il nous dit le Rav Moutar, le Tzi, Sefer, Torah, et Miuchad Anashim. Si maintenant, ils ont fini maintenant la Tfila. Après qu'ils ont fini la Tfila, maintenant, ils viennent des femmes. Ils viennent des femmes pour écouter Parashat Zachor. Alors, on va sortir un Sefer Torah pour les femmes. C'est Moutar. Et c'est correct. Sans bracha. Il faut sortir sans bracha. Ratrila, elle a l'autre katan, chez le gars, et mizvot, une gimel, shana, veyom echad, la liad, maftir, de shabbat zahor. A priori, il ne faut pas faire monter un katan, même que pendant toute l'année. On peut faire monter un petit, qui n'est pas arrivé encore à 12 ans et un jour, 13 ans et un jour. On peut le faire monter au Sefer Torah. Et faire les brachot avant et après, mais parashat zachor, on n'a pas le droit. Ainsi aussi, il faut être rigoureux dans parashat para, parce que d'après Maran HaShulchan Aruch, c'est considéré comme une mitzvah assez de la Torah. Veivarer bekol ram, ela im kvar ala katan lemaftir lo yeret. Seulement si maintenant un katan, lui, il est monté au Sefer Torah. Juste avant sa bar mitzvah, on le fait monter. Alors, on le laisse dans la teva qui lit, parce qu'on n'a pas le droit de le faire descendre. Et bien, regardez, brachot, et un brachot à Torah, et qu'on rame, il fait les brachot. À haute voix, à Shela Tzibur, Shou Gadol, Ika, Besefer Torah, le Rotzi, à Tzibur, Yede, Hamatam. Et le Shadir Tzibur, lui, qui dit à haute voix, pour en quitte tout le monde, qu'est-ce Yachid, Shene Enas, Veno, Yachol, Lavo, 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 Lavo,
Lishmoa kriat parashat zachor b'shabbat zo yekaven atzet ivi chavatov parashat kitetze. Un homme que lui qui ne peut pas, il était malade, ne pouvait pas y aller venir à la Beth Knesset pour écouter parashat zachor, alors lui, quand il y aura parashat kitetze, parce que parashat zachor c'est kitetze, alors il viendra à la Beth Knesset et il dira que chez Kori parashat zachor, et il dit au Shaliach Tzibur, écoute, juste avant, quand toi tu vas le lire le maftir, pense à me rendre quitte. Yikaven al kol panim, et nachon al kol panim, shikra parashat zachor, parashat chumash. Par contre, si maintenant il est au lit, il ne peut pas se lever, il ne peut pas y aller à la Beth Knesset, c'est conseillé que lui qui lit avec le chumash de chez lui à la maison, chazak ou baruch.